Actualité politique de la République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs, il y a Congo Live Télévision de partout. Boko landa biso mbote na bino to kobeta matsolo ya mboka ndenge toloba toujours masolo mboka beta makana bana mboka lelo actualité mwana mboka Koffi Olomide après passage na ye na RTNC après kozala convoqué na ses sacs ou azala a répondu ki na invitation et la cour ya cassation epesa ki invitation pour que a se présenter mokolo ya lundi le 15 juillet 2024 mais ndenge to kobeta masolo moi na mboka Koffi Olomide a ko se retrouver na Afrique du Sud na bandi ete est moi na mboka akimi to akimité ndenge to kobeta masolo to ko illustrer le bino vidéo boko mona vidéo ezali koleka Koffi Olomide azali na Johannesburg que moi na mboka ama mukulu azali na biso elongo to bengi mbangu e personnalité politique et aussi parmi ma coordonnateur na kati ya Union Sacrée ba communicateur na Union Sacrée dossier ali koleka na kati ya SNEL avec le DG Fabrice Lucinde. Qu'est-ce qui se passe na kati ya dossier on a parce que to moni quand même ba message ebele na kati ya ba réseaux sociaux to koluka to eba qu'est-ce qui se passe qui sont derrière banani ba ko manigancé banani ba ko lamba o to ko benga peut-être Masolo ou est-ce qu'on dérange l'opinion publique? Mon amour, carrément, mon coulou. Personnalité politique et aussi parmi les coordonnateurs à l'Union Sacrée, et c'est moi, Gwembayo, Motino, mon amour. Merci beaucoup, Neko journaliste. Je tiens d'abord à saluer toute la population congolaise qui nous suit en ce net moment, mais aussi Nako Senga, de garder une minute de silence. Tout à fait. Une minute de silence. On a, Neko, la bisounion, on a subi agression dans l'Est, il y a un mot biso, la complicité mouko machiavélique, démoniaque, il y a ma puissance ébélée, il y a un mot kili contre Bomengo na biso mouko. Et je voudrais aussi par la même occasion rassurer le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, notre soutien musclé, notre soutien total. Nous sommes derrière vous, Monsieur le Président de la République. Dans tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, dans tout ce que vous êtes en train de déployer comme effort, tout ce que vous êtes en train de consentir comme énergie capable pour éradiquer définitivement ces fléaux dans l'Est de notre pays. Une maladie qui date de très longtemps. Depuis plus d'une décennie, le président Tshisekedi ne fait que subir Mama Kamboyo à Ekokuta. Alors, il faut te soutenir, mon Kondi Amboka. Ma discours, tu peux pas déclaration, n'y a pas de soutien, n'y a pas de décourager, ma effort, n'y a pas de institution, Amboka. Ils allaient comme ça, la Tilelo. Ma effort, n'y a pas de soutien, ma vaillant militaire, n'y a pas de front, ma ça, comme ça, là. Donc, téléméla la ba déclaration à modèle wana, topu ba communication à modèle wana, donc, téléméla la ba discours à modèle wana, c'est la raison pour laquelle j'ai été parmi les premiers des communicateurs qui ont qui ont fistigé ma propos ya Koffi Olomide à la RTNC. Et donc, j'étais aussi parmi ce qui peut-être est à Liboso, communicateur à Liboso, on a signé la démission à madame le directeur général, parce qu'il ne faudrait pas à camoufler derrière suspension, après si on a mis Jessica Basile, il faudrait en réalité, il aurait été mieux que le ministre Patrick Mouyaya, en tant que patron de la communication nationale, en tant que patron de la communication institutionnelle du pays, de pouvoir suspendre définitivement Madame Sylvie Elengue, DG de la RTNC. On m'a dit 10 minutes, on m'a donné 10 minutes. Ah, mais combien de temps, on m'a donné 10 minutes.
Merci Mouyaya. C'est Mouyaya, le ministre. C'est le ministre ne gère pas la RTNC, Kofi Olomidé. C'est qui? Il y a la DG de la RTNC, Madame Sylvie Elengue. Maman, je me lève. Respire, Maman Sylvie Elengue. Il y a une information en été. Louis Alagayo, Maman Sylvie Elengue. Vraiment, merci pour la 10 minutes. Et puis, longue vie, bon succès, bonne réussite. Merci pour les 10 minutes. Allez, voilà. Merci à Madame DG. Donc, tu ne me presses plus. On a 10 minutes. Donc, je dois confirmer que c'est bon. On nous a accordé les 10 minutes. Je dois le confirmer entre temps. Les temps qu'on me confirme. C'est bon, ok, voilà. Maman Sylvie Elengue t'a accordé les 10 minutes. Votre carrière a été. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et aux alliés directeurs général, il y a RTNC. La philosophie politique de la RTNC, il y en a toujours défini, il y en a toujours porté. Mais comment, dans ce moment-là, collaborateur n'est mis sous, Mais oui. Menace des Gébani, n'a pas autant à vous de combo à moi, comme on a ce qui gille. A quoi menacer par rapport à Yababa propos n'a pas tenir. Ah, c'est y a la vérité, y a ma camboué. Aza assistant à y est ce qui est audiovisuel. Mais Batali Bosso y est Madame Sylvie Lengifa qui a bing à la pebe, n'a pas de bas assistant à Yuana. Ce qui m'a conduit à mon salapet, à vous appeler à moi distraction, mais au salé l'eau, mon souci à Naku. Certainement, ça peut arriver. Mais non, de ma collaborateur, il faut que ça la suivi. Il y a un mouvement, il y a sur les autres, il y a une chaîne. Il y a aux assistants, par exemple, à l'audiovisuel. Nous sommes tous les amis. Et ça, il y a qu'est-ce qui se passe? Et là, on y a un salami, un programme tel, ou bien un dossier tel, l'invité pour une émission, vous faites rapport directement sur le champ à l'autorité. Tout à fait. Et puis, son autorité peut-être dans un district. À quoi on se fout quand même? Et puis, il y a une solution à la minute. Et puis, madame le directeur général, Kofi et Moko ont une image à l'objet, on a 5 minutes, merci. C'est là qu'il y a 10 minutes. On a mis une question. Comment je suis allé à mon désert? Et ça, je suis découragé, mais fort. On me connaît mon cas au salon. Pona basi sa makambo ya esta mboka na biso oye banda utoka la tu sais les points tu sais que tu ko kuta na yango nazo bunda sur tous les plans, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan de la politique intérieure, sur presque tous les plans zo bunda po makambo ay ko kuta na esta mboka na biso agression bitumba wana ya mabe ya kuboma batu kuboma na kuna esila mais tant yo moni bongo sani. Vous pouvez même couper l'émission. Hein, vous pouvez arrêter sur le champ l'émission, vous coupez l'émission, vous changez des programmes. Vous reprogrammez même une autre filière d'une organisation. Même publicité, sport, ou autre chose. Ou spot moins rapidement. Entre temps, vous changez le programme Moussous à la hâte. Ça, c'est fait. La RTN, c'est la chaîne nationale. Et ça, miroir, il y a moka. Et on a tout na gina lobby boy bato combien balani maloba ya Kofi. Or ba voyant militaire na biso ba sa musala makasi. Na nazo gifle bango. Bazo gifle biso te. C'est plutôt bisonde. To komi ko coincer Kagame depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Na na ko ko ndimare Kagame lelo a comme même ko biba osa ba déclaration a comme on se justifier. Qui pouvait y croire? Tout à fait. Mais c'est grâce à l'effort du président Fati. Dès que nous avons un résultat, au moins on a pu même sur le plan international, la sanction économique de M. Sekomi contre Rwanda. On a vu le rapport, net rapport avec l'expert, il y a Nations Unies, il y a un groupe d'experts à Nations Unies qui est dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous nous battons sur ça. Et sur le plan diplomatique, on est en train d'évoluer. Sur le plan militaire, nous avons renforcé l'armée Nabisso. L'armée Nabisso a été infiltrée dans presque tous les niveaux. Tant que le président Tshisekedi d'un côté, a dit qu'on nettoyait. Pour nettoyer, il faut mettre de l'argent. Loi de programmation militaire est tiens. Et donc, il y a une évolution significative. Peut-être que côté est obligé de perdre soit de la localité. Mais si on peut gagner, on peut gagner, on peut récupérer, on peut pousser d'ailleurs, on peut obtenir un petit peu. Vous comprenez? Tout ça, c'est pour nous mettre en bord en abysso. Mais nous devons soutenir, il faut simba les prédats qui s'équipent. Ce qui prédait Tshisekedi à Zahi Moutoumoura, Zahi Patriotité, il pouvait céder dans le corps. Oh, boy, c'est un corps, boy. A céder dans le corps, et puis, et ça, le corps, moi, qui m'y a mouru, boy, à l'okouta, et puis, et le corps, il va nous persister. On a vu combien des accords ont été signés ici dans notre pays.
accord sur accord, accord sur accord. Jusqu'à ce que tout le monde a agrément même, il y a un groupe rebelle, un groupe terroriste, et comme même un parti politique, ainsi de suite. Donc, il y a bien des M23, maintenant, la guerre à qui vous, et il y a comme CNDP comme M23, on connaît. Et tout ça, infiltration, c'est à qui profond. Infiltration, c'est à qui profond, les lots, mon amour, Kato, Gobita, Masolo, parce que ça fait très mal. Donc, ça veut dire tout simplement que. Par rapport à la question de Tuningai, moi je pense que le DG Sylvie Elenge, Batumingi va comme elle n'a pas bengi n'a ôté, et je malo acharnement à Salayonini, vous avez un problème particulier. Non, on n'a pas un problème particulier. RTN ça se gère wana. Et sa chaîne n'a été, et sa tête que chaîne privée n'a été, et sa chaîne nationale. Oh, biso tout au Tchagamisu. Il y a une ligne éditoriale bien à suivre. Exact. Et par rapport à ma contexte. Exact. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un contexte sécuritaire en Bogan Abissou? Je pense aujourd'hui, il y a un contexte sécuritaire. Donc, il faut démissionner. C'est pour son honneur. Parce que déjà, l'opinion a commis comme on a dit. Pourquoi Mouta Modelo, il écoute une fois qu'il va me suspendre, mais il y a un fan de l'équipe. Le ministre Mouyaya devrait commencer à suspendre Madame directeur général. Togo c'est la ministre, par rapport à sa propre personnalité politique, pouvait carrément démissionner. Togo c'est la ministre, garder son honneur. Communication d'aller en Côte d'Ivoire, Togo c'est le retour. Peut-être il y aura quand même des retombées, ou soit le ministre va inviter DG à RTNC pour qu'à écouter Ayokaye, On attend le retour du ministre Patrick Mouyaya depuis la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une question très sensible sur le plan sécuritaire à Mouyaya. Mais est-ce que ceux qui sont dans le pays, ils sont dans le mito, elles seraient même aux arrêts. Elles seraient aux arrêts. Ou soit quelque part entendu. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et puis, les collaborateurs ne sont pas incompétents. Ils ne sont pas incompétents. Déjà, Nabandi était bateau. Là, c'est la télévision. Mm. On est administration, t'es qu'un cabinet politique ou bien une entreprise qui n'a pas pour vocation ou pour mission d'informer, d'éduquer, de divertir. Là, c'est la chaîne. Hein? La communication. Vous comprenez? Tout à fait. Et déjà, donc, pas de monsieur, on va bien, oh non, Azalaka enseignante, Nabiso. Là, je sais bien que Madame Sylvie Elenga, fille. Mon enseignante à l'IFASIC. Moi, je suis licencié de l'IFASIC en journalisme et politique intérieure. Nous devons enregistrer une leçon aux autres. Pour comprendre que dans des moments aussi cruciaux, net moment où il y a un cannabis, il faut tous aller unis. Derrière mon konza école, derrière mon pinga na biso, derrière l'institution mboka nyonso, na mayo etali, makambo ezo le kanaest, toko ki soko mokete ko permettre ma distraction, ma imprudence moko ya lolenge wana. Mais la bande zi ete balanda ki biso, parce que l'émission a été vraiment bien suivie, captée de partout. Bande ko mabi ete programme pe a RTNC, et ko sa la rate, ba tu ba mou na kom si to zali pe na état de guerre te, parce que fallait des communications de temps en temps, pour expliquer ba tu lelo oyo, quelle situation s'est passée dans telle cité, dans l'Est République démocratique du Congo, bah, Congolais, bah, si aujourd'hui les FRDC gagnent un territoire, expliquez aux Congolais que les FRDC va gagner un territoire, ceux qui va perdre un territoire, pour expliquer, va perdre un mécanisme, tu vois pas que aujourd'hui aussi, le programme RTNC a tant de guerres, oyo, et que ça n'a pas de si, souci, mon amboka. C'est ce qu'on appelle l'inefficacité de la gestion dans une entreprise. Gestion est inefficace. C'est clair, c'est simple, c'est limpide. Nous, on a observé de très loin, à distance, mais on s'est rendu compte qu'il faut tout sauver dans l'économie sur RTNC. Pour avoir un moto, un cookie, pour vendre sur RTNC, le programme a bien. Pour ça, la même que les gens ont un cadre, et RTNC, ils ont rappelé, ils ont un salamé. Mais
Omona ke mbongo ezokota mais mbongo ngo ndenge ezokende kende. Ezomona na malamu te. Redevance audiovisuelle, inspection générale à finance, je salue l'inspecteur. Mais IGF fazana azana bureau na kata ya enceinte ya RTNC, bureau ya IGF ezali wana. Est-ce que osala mosala to kosala azana extension kuna? Extension ezali mobimba o ezali wana isengele ke lande la ma solo peut-être ba réparation aussi à ba travailleur ya RTNC. Non mais l'inspection générale des finances l'a toujours fait. L'inspection générale des finances a ça l'a toujours à contrôle wana. Je t'informe même que selon les informations à ma possession, l'inspection générale des finances serait déjà en train de suivre l'évolution. Il y a situation en a, même la situation en bas. Il y a un mbongo kuna ndenge mbongo bazo utiliser ngo, c'est catastrophique. Mais moi na mokoda banzete lelo to kobeta masolo parce que ba kongolais ba kolanda biso ba yebele ba kolanda biso lelo oyo mona mboka la grande question d'aller à comment a été de mon invitation il y a procureur près la cour de cassation Firmin Vonde ou a tindi et pas à mon mboka Koffi Olomide à se présenter lundi le 15 juillet 2024 oyo mais et l'on va au parce que nous comme nous disons toujours que nous sommes toujours là pour vous informer à temps réel vidéo d'aller coller vous allez comme on a Koffi Olomide na kati à Johannesburg le 13 juillet les oyo le 13 juillet Koffi Olomide na kati à Johannesburg est le 15 à cause on va se présenter devant juge naye to Koffi Olomide à qui minaï. Bon, en tout cas, j'aimerais. Parce que, vidéo Zalia, vidéo Yango, le 13, hein, notifié très bien. Le 13 juillet, Nakati, il y a aéroport, il y a Johannesburg, Yango, yo, je vis ça. Olomide, donc, vous allez même illustrer. J'ai vu ça, en amoni, bazopé sana, bambote à monokona, madame Cindy. Tout à fait. Je vis dans bambote à. Oh, bambote, moi, à ma boucle, me bâtier, tu. Je vis ça, c'est une vidéo qui est. Est-ce que Koffi a pris fuite? Bon, on a été coupé dans le Berkimi, il y aura peut-être un procès d'intention, arrière-pensée. Je me réserve, attendant le 15, certainement, il faut zone. Ayago, pour comparaître à Kende devant juge naturel, Naé, la cour de cassation. Et comme ça, on va l'écouter, on va l'attendre. On va l'entendre après Nde. Donc, vous voyez, cette situation est en déni. On a quitté déjà. On peut savoir le procès d'intention qui a Kimi ou à Kimi. Mais seulement, il faut préciser que l'invitation, c'est qui a qui nous s'est présenté à Oyeba, cause il y a invitation sur place. Mais est-ce qu'il y a une surprise? Peut-être que tu es bien. Tu te présentes et après, il m'a payé au Kéi prison. Ça, je ne sais pas. Les justices, non, ça, là, ça, n'a pas été à Kimi. Mais, petit ça qui est. Comimaté, ouais, interdiction et à sortie et en dehors de nos frontières. Et bon, on a dit ici, les lois à tout le monde dans Johannesburg, qui l'a fait sortir? Mais il a voyagé, ma petite Sagia Bimaté. Mais certainement, il a voyagé, ça je sais pas, mais il faut tout dans peut-être ma service à DGM. Mais moi je crois, dans ma service à RVA, sous qu'à Kendel par RVA ou par Andelani, ça je sais pas, mais certainement, il a voyagé, comme tout Congolais. Est-ce que le problème ne devrait pas se limiter à niveau à ses sacs? Oyakinaja s'est présenté, il a même dit que ça a été pédagogique comme étant ambassadeur. Il n'y a plus de